Voilà. Osica, merci. C'est très gentil de vous prêter à ce petit jeu. Non, j'avais rien de prévu du tout. Ce que je voulais vous demander, c'était de... C'est bien parce que ça se voit. J'avais préparé quand même un fond. Je me disais, la fille debout et Trace Elliott, c'est des années 90, c'est un truc en dessous. Mais je sais pas si on va pouvoir le faire, tu vois, un truc. J'ai au moins une image un peu style. Ouais, mais là c'est super style, quoi. Alors bon, ce que je voulais vous demander, c'est avant tout... D'arrêter de déconner, parce que... Ok, voilà. Là, je suis bien dans. C'est parce que sinon, vous n'êtes pas dans la largeur. Là. Voilà, là, vous êtes dans la. Non, ce que je voulais vous demander avant tout, c'est comment vous aviez perçu la soirée pour commencer, déjà. Hein. On va prendre une petite. D'accord, et bien, on avait beaucoup d'appréhension. Pourquoi? Parce que c'est Ciney, c'est tout petit, il n'y a pas assez de gens. Voilà. La bière n'est pas bonne. Et en fait, finalement. Non, ils n'ont pas de Ciney à la pompe. Ouais, c'est vrai. Ça, et finalement, le château fonctionne, il y a quand même... C'est fou, hein. Je sais qu'on allait boire de la Ciney, moi. C'est même pas d'équivalent tellement c'est gros. Les gens ont été direct dans l'ambiance. Mais c'est parce qu'ils vous connaissent, vous avez ramené tout Liège avec vous. Vous connaissez personne. En bas, là, vous connaissez personne. Ça va partir sur Arte. Ah ben, on connaît personne, c'est venu comme ça. Maintenant, c'est les gens... C'est pas la première fois que vous jouez avec ceux qui organisent. Si. Moi j'ai rien fait, si, avec ceux qui organisent. Si, moi mais... j'étais d'âge pathétique, j'étais avec eux, c'est eux qui organisaient il y a un mois ou un mois et demi à Liège. Au cœur le Lévé, si. Vous avez une petite. Mais vous jouez toutes les semaines. Vous jouez toutes les semaines, c'est ça. En gros, deux, trois fois par semaine, c'est ça. Et vous touchez de l'argent, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est savoir. Vous demandez. Ah, l'argent, hein, l'argent. On a plein de sous là, tu veux rien. Je peux te donner $2 là, tout plein comme ça. Non, mais sérieusement, il y a du pognon. Il y a du pognon ou pas? Il n'y a pas de pognon. J'ai que dalle. Vous faites ça pour l'amour. Du pognon. Je dépense plus d'argent pour mes machines qu'en recevoir, ça c'est clair. Ah, moi je connais ça. Et donc. Ça, justement, au niveau machine, tu penses pas que t'en as un petit peu trop ou... Non, mais j'ai attrapé un sale virus, ça, c'est pas grave. Je connais qu'elle à trois fois, mais au final, elle est bien contente d'en utiliser. Tu veux bien lui demander de faire de la musique? Il y a des gens qui travaillent. Qui lui a donné cette caméra? C'est un vrai porteur. Non, mais est-ce qu'il est vraiment un porteur? Sinon, est-ce que je lui ai demandé? C'est dans encore un peu. Ce qui fait semblant. Dans quelle mesure vous comptez faire de ce que vous avez fait ce soir votre vie? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je sais bien que je ne gagnerai jamais des sous avec le genre de musique que je fais. Vous autres, c'est pour l'amusement. Donc c'est vraiment pour la bonne cause, quoi, en gros. Ouais, le pire, c'est mais c'est un grand plaisir, en tout cas, de recevoir... C'est d'abord un plaisir de jouer moi-même chez moi, et puis après, les gens, ils aiment bien, ils aiment pas. Mais quelle chose ils ont? Je m'en sens pas plus mal pour autant. Ah ouais, bah... Bah voilà, c'était bien, hein, Osica. Merci beaucoup. En tant que journaliste. Il a même pas posé la question sur... Genre, qu'est-ce qu'on utilise comme instrument? Oui, voilà. Mais pose la question, ça sera bien, ça fera un ordinateur et faire play. Il a oublié sa fiche. Hop! Osica, 12e. Mais comme il est bourré. Le truc que vous jouez avec des ordres, des joueurs pour enfants, c'est parce que t'es pédophile, c'est ça? T'es qu'un gros pédophile. Ouais, bah. Tu détournes les enfants de mineurs. Bravo! Oui, ton père était mineur, on a quitté le groupe. Il confond avec le groupe d'après. Il travaille dans la mine de sucre de Tire-le-Monde. Il prend l'habitude. Il confond avec eux, là. Tu confonds avec eux. Regarde avec eux, là. Attention! Ouais, c'est les coupables. C'est les coupables. Mais voilà, que dire d'autre que mon copain là, le gros, il y a chaque fois un peu de chair qui dépasse comme ça et mon chat l'attrape. Le chien violet là, il vous adore, quoi. Il vous fait des bisous en fait, Steve, il vous fait des bisous. Bisous. Les bisous, faites des bisous pour Steve. Ça c'est plus perso, c'est moins dans... je fais du montage, hein. Allez. Allez, un bisou quoi, merde. Sur mon ampli, c'est... Sur ma bague, toi, qui... C'est pas de la merde, hein. Allez, soyez pas timide. Un bisou au chien violet.
Un bisou aussi, un bébé, madame. On était obligé de le faire aussi. Merci. Ça, c'était merci. Un beau. Merci. T'es bon, connard. Moi, c'était moins beau. Et t'as pas tombé ton petit pompon qu'il y avait là, comme ça? Merci. Ça va? Mais je pense qu'il faut aussi regarder la tête du caméraman. Parce que franchement, ça vaut le coup quoi. Regardez. Vas-y, prête. Ça, c'est le caméraman. Hein? Il y a du travail derrière. Ah ouais, ouais. Caméraman. Et ça, c'est. Chuta. Je pense que c'est un bassiste, mais je suis pas sûr. Hein. Ah, non? De temps en temps. De temps en temps? D'abord le caméraman. C'est sans prétention, c'est rien à voir. Mais bon, par contre, je travaille énormément en studio. Ouais, ouais. Il va y avoir une back prod énorme. Ouais. On sent que ça va être. A priori, tu finis Retour du Jedi. Ouais, ça sera super bien monté, je suis certain, quoi. Pas vrai? Mais ouais, je suis obligé de te laisser la caméra. Vu que allez, tu m'as fait ce plaisir. Tu dis au revoir aussi? J'ai envie de faire des bisous à Osica. Allez, fais la bisou à la caméra d'abord. Bien bisou. Osica, ça a été mon plaisir ce soir. Vraiment, ah. Bon plaisir. Ah, pardon.